c'est l'heure de Zooneland! Zooneland! Je t'ai apporté de quoi grignoter, Jimmy. Tu as faim? Jimmy? Jimmy? Et maintenant, voici votre série préférée, Amour, déboire et futilité. Oh, Blair, je ne sais pas comment te l'annoncer. Cette fois, ça y est, le diagnostic est confirmé. C'est certain, j'ai des pellicules. Oh non, c'est trop triste. Oh, le pauvre. Il faut que tu sois fort, Clay, courage. La recherche a fait des progrès. Il y a des shampoings spéciaux maintenant. Normie, qu'est-ce que tu fais? C'est notre feuilleton préféré. Tu rallumes. Elle est nulle, votre série. J'ai pas envie de la regarder. Et puis, c'est l'heure de Zooney. T'auras pas de goûter si tu me donnes pas immédiatement cette télécommande. Attention, hein. Non, même pas vrai. Tu dois être gentille avec moi. C'est ma mère qui l'a dit à Tante Stella. Oh, je commence à en avoir assez. Qu'est-ce Tante Stella, Tante Stella, au secours. Clover me plaît. Clover, que fais-tu à Normie? Tu le lâches. Mais c'est lui qui... Elle me déteste. J'ai peur d'elle, Tante Stella. Oh, c'est une honte, une chose pareille. Si tu ne fais pas d'efforts avec ton petit cousin, je vais devoir te punir. Tu es prévenu. Qu'est-ce que tu dis? J'hallucine. C'est lui qui mérite une punition. Fallait pas répondre ça, erreur de tactique. Les représailles vont être immédiates. Bon, Clover, monte faire tes devoirs. Ils sont déjà faits. Oh, alors va faire la vaisselle. Je l'ai faite aussi. Dans ce cas, va faire la lessive. Tout est lavé, repassé, plié, rangé. Tu devrais la priver de sortie. Oh, c'est la meilleure, moi, me priver de sortie? Oui, Clover, parfaitement. Tu sais qu'on ne répond pas sur ce ton. Tu es privé de sortie, c'est officiel. Quoi? Tu ne mettras pas un pied hors d'ici pendant 3 jours, si ce n'est pour aller prendre tes cours, et je ne veux plus t'entendre. Pas d'avoir été puni comme si j'étais une gamine. Ça m'était pas arrivé depuis que j'ai 12 ans, c'est dingue ça. Je peux pas me faire rouper, ma mère m'a privé de sortir. Mademoiselle, je me réjouis de vous voir. Désolée, Thierry, je ne peux pas me permettre. Une importante série de disparitions d'enfants frappe notre ville. Nous avons besoin de votre aide pour savoir ce qui se passe et qui se cache derrière cela. Nous n'avons qu'un seul indice. Un émetteur pirate utilisait la fréquence de la chaîne de télévision familiale dans chaque foyer où un enfant a disparu. Il appartient à un roi des médias, Lewis Hightower. Il est hyper connu. J'ai lu pas mal d'articles sur lui. Apparemment, il aime faire la couverture des magazines. On va commencer par se renseigner discrètement sur lui. Vous aurez besoin de vos procès-pures et du vaporisateur de parfum, reine des glaces. Waouh, que cette bague est jolie, j'adore le style rétro. Elle a bien d'autres qualités, Alex. Pointez-la devant vous et appuyez sur la face cachée de l'anneau. Eh, mais c'est moi! C'est plus exactement un hologramme de vous que la bague a projeté après vous avoir mémorisé. C'est sympa! Bonne chance, les filles! Tower. Nous sommes journalistes au magazine Salut les ados, je suis Sam et voici Clover et Alex. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté de nous recevoir. Mesdemoiselles, soyez les bienvenues, j'ai toujours du temps pour les interviews. Vous envisagez de mettre ma photo en couverture? Oui, absolument. Justement, à propos de la photo, mieux vaudrait vous montrer assis à votre bureau avec quelques papiers en main. Comme si vous travailliez. Vous êtes l'image de l'exigence et de la réussite. Oui, tout à fait. Je suis l'image de la réussite. C'est l'objectif spécial pour les photos en intérieur, Alex, hein? Oh. Ah oui, bien sûr. Mais où avais-je la tête? Allez-y, feuilletez vos papiers, monsieur Hightower. Ça fera beaucoup plus naturel. Je crois que nous avons ce qu'il nous faut dans la boîte. Merci de votre patience. De rien, j'ai toujours aimé poser. Et maintenant, vous allez me questionner sur Zooneland. Zooneland, c'est l'émission stupide que mon petit cousin regarde tout le temps. Ah. Je veux dire, l'émission stupéfiante, cool. Votre petit cousin n'est pas le seul. Tous les enfants adorent Zooneland. Zooneland, Zooneland, notre meilleure
Et voici le nouveau casque Zune. Les enfants sont complètement fous. Ils se l'arrachent. Oh. Désolée, monsieur Hightower, je n'ai pas réussi à l'en empêcher. Papa, t'avais dit qu'on déjeunerait ensemble aujourd'hui. Jason, il me semble t'avoir dit de ne jamais me déranger pendant une interview. Maintenant, Phil, on verra ça la semaine prochaine si j'ai du temps. Ma secrétaire t'appellera. À côté de lui, ma mère est vraiment un ange. Ça me dégoûte d'avoir serré la main de ce type. Ça me donne envie de passer sous la douche. Ou dans une station de lavage de voiture sans voiture. Vous avez vu comment il traite son fils? Oui, en parlant de ça, on ferait mieux de remplir cette mission avant que ma mère ne s'aperçoive de mon absence. Ou je vais être mal, moi. D'accord, Clover. Commençons par faire des tirages des photos prises par Alex. Quelque chose me dit que ces documents vont nous mettre sur la bonne voie. D'après les éléments de ce dossier, l'antenne parabolique de la chaîne familiale doit être sur cette île. On va peut-être y trouver des indices sur les émissions pirates dont nous a parlé Jerry. C'est trop dur, la prochaine fois on prendra l'ascenseur. Ah, c'est quoi ce cirque? On se fait agresser par n'importe quoi maintenant. Ah, je suis blessée, je me suis cassée un ongle. À l'évidence, cette parabole est protégée par un invisible bouclier technologique. Quelqu'un ne doit pas avoir envie qu'on fouine dans les parages. Mais nous, on est têtus. À terre! C'est quoi ça? La transmission d'une émission pirate. Je vais essayer de localiser le signal avec mon com poudrier. Pourquoi a-t-il disparu? Je crois que voilà la réponse à ta question. Clover, mais où es-tu? Je t'ai pourtant ordonné de ne pas quitter la maison. J'avais une répétition, maman. Tu sais qu'au lycée, on a monté une comédie musicale. Les ballerines du karaté. Oui, et d'après ce que j'entends, vous vous amusez bien en répétition. Rentre, ça vaut mieux pour toi. Et s'entraîner. Je peux pas pour l'instant. On travaille le combat final. Tu as intérêt à obéir ou tu seras privé de sortie pour la vie. T'es tyran et en plus la punition est injuste. Ça vous apprendra à me faire punir davantage. Nickel, gentil. Soyez mignon. Heureusement que j'ai pu capter le signal pirate avec mon com poudrier. Je l'envoie au Whoop pour qu'il l'analyse. Il ferait peut-être mieux de lever l'ancre avant que ces mini-ninjas ne descendent pour nous achever. Moi, je préfère encore me battre avec eux que d'affronter ma mère. Ah. Psst. Psst. Alors, tu fais le mur, on t'attend. Oh. J'ai cru entendre des voix, Clover. Tu n'étais pas au téléphone, au moins. Comment veux-tu que je sois au téléphone? Tu me l'as confisqué? J'ai un casque de Zune, et pas toi. À ta place, je fermerai ma bouche avant que les mouches ne s'y installent. Zune! 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 Vous allez devoir résoudre cette affaire sans moi. J'ai peur de passer le restant de mes jours coincé ici. Oui, Jerry? Bonjour, les filles. Nous avons trouvé l'origine de la fréquence que vous avez envoyée. Elle provient de l'île sur laquelle la parabole est installée. Je suis certaine qu'il doit y avoir une station émettrice souterraine dans cette île. Justement, nous détectons une émission pirate à la minute où nous parlons. Peut-être devriez-vous faire une enquête plus approfondie sur les lieux. Hé! Hey, c'est Normie! Normie, où tu vas comme ça? Attends!
D'accord, ça va me faire des vacances de plus l'avoir dans les jambes. Mais il y a un truc qui cloche. Je vous accompagne. Comment tu vas faire? Tu vois quelque chose, Clover? Pas encore. Dommage que je n'ai pas bagué Normy avec un émetteur pendant que je le tenais. Continuons à le chercher. Il n'a pas pu aller bien loin. J'aperçois. Normy est en bas avec une bande d'enfants. Et ils portent tous un casque de Zounet. Elle est bizarre, cette nouvelle mode. Ouais, tu l'as dit. Ces casques reçoivent un signal identique à celui de l'émission pirate. Ils se dirigent vers le quai. Vite, pose l'hélicoptère, Alex. Étrange. On les a hypnotisés ou quoi? Ils agissent comme des automates. Il faut les arrêter. En les empêchant de s'en aller, on perdrait une chance de découvrir ce qui se cache derrière tout ça. On va se faire repérer avec l'hélico. Prenons nos prosulfures. Nos prosulfures? Tu nous l'as déjà faite, celle-là, Alex. Je vois les filles. La moyenne d'âge n'est pas bien grande. Mais oui, c'est pour ça qu'on a trouvé si petits ceux qui nous ont agressés près de la parabole. Les mini-ninjas étaient des enfants. Ouais, mais des enfants un peu surexcités quand même. Bienvenue à Zounetland, un monde où les enfants font toujours ce qu'ils veulent. Zounetland est un nouvel univers génial. Et moi, votre chef, je suis génial aussi. N'oubliez pas que toute personne de plus de 12 ans est votre ennemi. Entraînez-vous et préparez-vous pour la guerre contre les adultes. La guerre contre les adultes? Bah dis donc, rien que ça. Il faut remonter jusqu'à la parabole et l'empêcher d'émettre le signal. Vous avez vu? C'est Normy. Normy, réveille-toi. Hé, c'est bon, redeviens toi-même, redeviens un casse-pied comme avant. Oh, des adultes, Zounet. Alerte des adultes! Alerte des adultes! Éliminez-les! C'est tranquille! On est trois et une sont qu'un millier! Vu la situation, une solution s'impose, non? En cours! Mais on lâchait tout. Clover, je veux que tu saches que je ne fais cela que pour ton bien. Tu me remercieras un jour. T'as raison, maman, je l'ai bien cherché. Merci de m'avoir donné une punition si juste et si honnête. Alors, tu en conviens? Je reviendrai, à tout à l'heure. Travaille bien, ma chérie. Méchants adultes, vous allez voir qu'on est les plus forts! On n'est pas des adultes, nous! On est des adolescentes! C'est pas grave, hein? Tout le monde fait des erreurs! Bon, détachez-nous et ce sera sans rancune! Non, pas question! Les premiers qui feront exploser une de ces grandes personnes auront un tas de sucreries! Zounet! Exploser? Je ne suis pas certaine d'apprécier ça! Attention, prêt? Ils vont nous noyer! Pas sûr, attends. Ah. Bien joué, Alex. Merci, Clover. À l'attaque! Zounet!
fille, je connais pas ici. Qui t'es, toi? Tu sens d'où? Oh, inondez leur casque de parfum Reine des Glaces. C'est parti! Normie! Hé, hey, Normie! Oh, Clava! T'es pas à la maison? Je vais le dire à ta mère et elle te punira encore plus! Je sais pas si je dois être contente, mais Normie est redevenu lui-même. Il faut arrêter l'émission pirate avant que ces petits ne fassent de nous des poignées de confettis. Montez et essayez d'interrompre la transmission. Moi, je vais chercher ce mystérieux Zuné. Génial. En plus, faut faire de l'escalade. Tu crois pouvoir me vaincre, mais tu te trompes. Tes amis et toi, vous allez bientôt être anéantis. T'as peur, sinon pourquoi te cacherais-tu? Doutez que t'étais là. Les cafards se cachent toujours dans le noir. Hila! Allez, enlève ce casque. Montre ton visage. Ça alors? T'es le fils du PDG de la chaîne familiale? Qu'est-ce que ça peut te faire? Écoute, je comprends parfaitement que tu en veuilles à ton père, Jason, mais tu n'as pas pour autant le droit de te venger sur tous les adultes. Si, je fais ce que je veux. Et attends un peu. Bientôt, grâce aux paraboles que j'ai installées dans tous les pays, j'émettrai mon signal hypnotique sur toute la Terre. Il va faire une de ses têtes, mon père, quand il verra le taux d'audience de Zuneland. Mais moi, ce sera un monde réel, pas seulement une série idiotes. Toi, tu as besoin qu'on t'apprenne le respect. Mêle-toi plutôt de ce qui te regarde. C'est toi qui as besoin de prendre une bonne leçon. Allô, je fais une pause, t'en mords. Hé, arrête, relâche-moi tout de suite, sinon... Sinon quoi, hein? T'iras te plaindre de moi, ton papa. Oh ben ça m'étonnerait. On touche au but. Enfin, je commençais à en avoir assez de cet engin. De plus, Sam, excellent travail. Merci, Jerry. Vous devez des excuses à quelqu'un, me semble-t-il. Jason, je m'en veux de m'être montré aussi dur avec toi. Et si on allait s'amuser ensemble dans un parc d'attractions pour oublier ça? Oh ben, j'ai un planning chargé, tu sais. Ma secrétaire t'appellera, d'accord? On dirait que Monsieur Hightower change de priorité. Oui, c'est une bonne chose. Vous serez bientôt auprès de vos mamans. Ne vous faites pas de soucis, les petits. Ramène-moi à la maison, Clover. J'ai faim et je vais tout raconter à Tante Stella pour qu'elle te gronde. Tu me prêtes ton comme-poudrier? Le mien est dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fais, Clover? Je me connecte sur la fréquence hypnotique que Sam a envoyée à Jerry. Elle est sûrement stockée dans les bases de données du groupe. Normie, tu vas effacer de ta mémoire tout ce que tu as vu aujourd'hui, c'est entendu? Je suis restée enfermée dans ma chambre toute la journée. Allons-y. Tu sais, Clover, je suis agréablement surprise que tu aies pris sur toi pour ne pas me désobéir de toute la journée. Oh, maman, c'est normal. Quoi qu'il en soit, j'apprécie. Et pour te montrer à quel point je suis fière de toi, je lève ta punition. Super! Et encore une faveur, je te permets d'emmener ton cousin Normie jouer dans le parc. Ah, oh, c'est trop gentil. Tenez, les filles. Si vous voulez autre chose, j'y retourne.
Non, merci, Normie. Va plutôt t'amuser un petit peu. D'accord, Clover, merci. Je t'aime beaucoup. Ça, j'en suis sûre. Alors, combien de temps tu comptes le laisser comme ça? Pas trop longtemps. En fait, je n'irai pas au-delà de ses 15 ans. Et tu penses qu'en attendant, il peut apprendre à faire des massages de pieds? Oh, c'est dur, l'espionnage et les orteils tout noués.